bienvenue. Merci. Vous avez déjà votre persona? Oui, je suis Elodie. D'accord, alors Elodie, elle sera juste ici. Ok. Est-ce que vous connaissez un peu le principe de la journée? Pas vraiment. Je sais que c'est un persona, qu'il faut que je me mette dans la peau d'une personne qui a des problèmes. Voilà, en fait, il faut que vous oubliez votre casquette de professionnel. Vous venez là en tant qu'usager, vous ne connaissez rien du tout. Et après, libre à vous de circuler dans le salon en fonction des points de repère qu'on vous a donnés, d'aller à la rencontre de ces professionnels et de pouvoir avoir l'information que vous allez chercher. On vient de créer un service, c'est l'espace fratrie. D'accord. C'est un espace qui travaille les liens et les relations entre les frères et les sœurs qui sont placés sur plusieurs établissements. On a beau travailler sur un territoire, rencontrer des professionnels, suite à différentes problématiques qu'on rencontre auprès de nos familles et de nos jeunes. Et finalement, sur ces moments-là, on se rend compte qu'on ne connaît pas tout le monde. Savoir exactement ce qu'ils peuvent nous apporter, comment on peut se soutenir aussi en tant que professionnel. Et puis repartir avec pas mal de contacts aussi, ce qui nous permet d'établir du lien plus facilement avec les professionnels du territoire et puis du coup de répondre le plus adapté possible aux besoins des personnes qu'on accompagne. Le but, c'est pas de parler des situations qu'on a en commun avec les collègues, mais bien se mettre à la place de l'usager pour voir un petit peu, avoir le ressenti et savoir si est-ce que les dispositifs et l'accès à l'information, l'accès aux dispositifs est suffisamment fluide ou est-ce qu'il y a des choses qui mériteraient d'être un petit peu arrondies, un petit peu plus souples. Alors, Yves Gignoux, on m'a demandé de venir au salon en tant que pharmacien pour donner mon avis sur un cas qu'on m'a soumis, donc le cas de Roger et Augustine. Roger fait un Alzheimer, il a 92 ans. Augustine, 82, ils ont 60 ans de mariage. Comment étudier leur situation? Est-ce que, par exemple, si on va dire Augustine allait sur son nuage, oui, est-ce que les enfants ont pouvoir de prendre une décision contre compliquée, ça? Normalement, ce qu'on cherche, c'est le bien d'Augustine et le bien de Roger. Le but de ma visite, c'était de trouver des réponses sur certains cas particuliers que j'ai pu rencontrer et donc d'orienter surtout les personnes âgées à droite ou à gauche dans les services départementaux présents ici. Il est important que les professionnels deviennent curieux, qu'eux-mêmes aillent chercher l'information. On a Internet aujourd'hui, c'est simple. Et puis, encore une fois, il faut créer du lien. L'idée, c'est de créer un réseau d'acteurs et que les professionnels soient sans cesse à la recherche de tout ce qui existe, de tout ce qui est créé et, encore une fois, travaillent en réseau. On va partir de la terre pour aller jusqu'à l'assiette des personnes qui sont en situation de précarité. Nos dispositifs et nos politiques sont complexes et on a besoin, effectivement, de prendre en charge cette complexité pour que l'usager ne le subisse pas. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine de l'enfance. On le sait, le parcours de l'enfant, notamment dans le cadre de l'accompagnement à l'aide sociale à l'enfance, est particulièrement vulnérable, particulièrement douloureux parfois. Et il faut que les acteurs puissent être tous mobilisés au service de l'enfant, de son parcours et de son mieux-être dans son accueil et son accompagnement. Vers 16h, il y aura également un interlude théâtral avec la compagnie Acide Caustique qui nous proposera une improvisation d'une vingtaine de minutes. J'ai fait une petite liste non exhaustive. Bon, un certain, ça va, CCAS, on voit à peu près. DAL, pour moi, c'est des lentilles, mais bon. CMS, ok, DASICE, là, on commence à me perdre. AI, ACI, EZI, ETTI, ça existe. Je ne l'ai pas inventé. DASICE 76, ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire ici? Alors, moi, j'ai ma théorie. Je pense clairement que c'est un langage imaginaire que vous avez mis entre vous comme ça. On dit clairement n'importe quoi, mais ça fait professionnel. C'est-à-dire que je vous envoie deux personnes de la PPT. Vous l'envoyez directement à la SECTEPEN. Et ouais, vous leur envoyez un dossier, le CTRS, de 276-43. C'est vrai qu'on a l'air crédible tout de suite. Tout de suite, c'est intelligent. C'est vrai. Donc, personne ne sait ce que ça veut dire. La PLIE, par exemple.
Un salon des solidarités important puisqu'il vient être en lien avec le schéma des solidarités que nous avons construit il y a quelques temps. Un schéma qui va nous permettre d'activer nos politiques en direction des publics les plus défavorisés ou les plus vulnérables, ce qui a permis à l'ensemble des acteurs et des actrices et l'ensemble du public qui est venu de trouver des réponses et de permettre à ce schéma de pouvoir exister pleinement dans les semaines, les mois et les années à venir.